ma grand-mère avait légué ce secrétaire. J'y ai trouvé un petit tiroir secret. Une lettre s'y trouvait, un peu jaunie, enrubannée. Elle parlait d'amour, voilà ce qu'elle disait. J'ai pris hier matin la malle-poste et nous allons très loin rejoindre mes parents chez grand-maman. Mais oui, vraiment, car je voyage avec Alisa seulement. J'en ai pour très longtemps, tous les soirs nous nous arrêtons. Les relais sont gentils, c'est la belle vie. Il nous fait peur au fond, on s'amuse bien. Et c'est unique. Au moindre écart des chevaux, c'est la panique. Alisa roule ses yeux en faisant des hauts. Le pasteur veut crâner, mais sa voix sonne faux. Le jeune homme fait du pied et comme il est beau, je fais semblant de rien et je laisse prendre ma main. Et puis le soir, très fatigué, mais content notre journée, un bonsoir et nous allons nous coucher. Alisa, le pasteur, le gros fermier, ses enfants et le jeune homme en face de moi, évidemment. Voilà ce qu'elle disait, la lettre, et je regrette le temps de la malle-poste de grand-papa et grand-maman. Mais oui, vraiment, aujourd'hui en caravelle, on perd son temps. Pour me faire la cour, 3 mois entiers pour me parler d'amour.